le sécateur Felco 2. Donc c'est le sécateur le plus vendu au monde. Un sécateur traditionnel, lame contre lame, acier extra trempé, poignée confort, aluminium forgé sur l'ensemble de l'appareil. On commence à tailler comme avec le sécateur Felco 160S de la toute petite taille. On monte sur un diamètre un peu plus important, on va prendre en bois tendre, ça c'est du tilleul. Donc là on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment aucun souci. On monte un peu, là on est sur du châtaignier. On monte un peu en diamètre, toujours pas de problème, on force pas trop, tout se passe bien. On évite les mouvements de rotation comme ceci. On évite parce que vous allez voir, regardez de l'autre côté de ce qui se passe, ça va vous mâcher l'écorce. Donc là on y arrive, 1,5, on commence quand même à forcer pas mal. On va essayer la taille du dessus en bois dur et la taille du dessus en bois tendre. Donc là, on est toujours pareil, c'est sur du châtaignier, pas très très dur, mais là, on est sur un diamètre de 2 cm. Le sécateur le coupe, mais il faut forcer quand même. En bois tendre, ici, ça c'est du tilleul, sans trop de problème. Donc on va considérer que le sécateur Felco 2 démarre de ce diamètre-là et finit en bois dur à ce diamètre-là et en bois tendre à ce diamètre-là. Voilà ce qu'est capable de tailler le sécateur Felco 2.